J'ai pas la pièce phare de Noël, j'ai pas de sapin. Là, on est très dans le mood de Noël. Hein. Je pense pas que ça soit une bonne idée. Comment on allume ça? Parce que les briquets, j'ai pas l'habitude. Non! En même temps, pas de sapin, pas de boule. Hein. Oula! Oh punaise, ça fout des paillettes partout. Reason. Yeah, isn't that amazing? In Christmas. À défaut de ne pas avoir de sapin de Noël, bon bah j'ai un pyjama de Noël. Non, mais c'est déjà pas mal, non? Parce que je vous explique. C'est pas pour de fou que j'ai pas de sapin de Noël. Et je suis pas dans le caca d'ailleurs. Parce que toute contente, bien avant, 28, je sais pas, fin novembre, je commande un sapin trop beau sur Amazon. Mais trop beau! Genre il fait 1m50. Je le commande, patati patata. Je le reçois parfaitement dans les temps. Pour filmer la vidéo où je décore mon appartement pour Noël et tout. Et là, comme une nulle, j'avais reçu un message depuis des jours sur mon portable. En fait, j'ignorais ces messages parce que je savais pas ce que c'était. J'ignorais. Mais en fait, fallait programmer la livraison. Chose que je n'ai pas faite. Du coup, nous sommes actuellement le 7 décembre. Vous allez voir cette vidéo certainement la semaine prochaine. Et je n'ai toujours pas de sapin. J'aurais dû le recevoir hier, sauf que j'étais au taf. Et quand la livreuse elle m'a appelé, j'étais en plein montage et du coup, j'ai pas vu parce qu'il était en mode nuit mon téléphone. Et j'ai pas de sapin. Et je sais pas si j'aurai un sapin cette année. C'est pour ça que là, j'ai déjà acheté plein de décorations. En plus, vous vous souvenez, on avait quand même fait le shopping de Noël ensemble. D'ailleurs, si t'as pas vu la vidéo, tu peux aller la voir avant. Comme ça, tu verras ce que j'ai acheté. Je t'avais fait un petit haul des achats. Tout bien, toute contente, j'avais tout prévu. J'ai pas de sapin. J'ai pas la pièce phare de Noël. J'ai pas de sapin. Donc pour l'instant, on va décorer mon appartement ensemble en mode Noël et tout. Et puis on verra dimanche si j'ai un sapin. Et si dimanche j'ai pas de sapin, je pense que il sera là le sapin. Toujours des solutions aux problèmes. Est-ce qu'on allumerait pas une bougie maintenant que j'ai acheté un briquet? Regardez, j'y range là. Alors, ah non, il est là. Ici, et ce matin j'ai allumé celle-là. Bon, c'est pas du tout une odeur de Noël. Sinon j'ai quoi comme bougie? Je crois que je les avais rangées par là, non? Là c'est un peu le chantier. Oh, regardez ce que nous avons. Une machine à raclette. Tac. Ah il y en a là des bougies. Nous avons la soft blanquette Yankee Candle. Oh, c'est pas mal ça. A calm and quiet place. Havre de paix. Ouh. Et nous avons automne. C'est automne. La soft blanquette. Non mais pyjama de Noël, Yankee Candle, c'est pas très cliché ça. D'ailleurs, retenez bien ce mot. Cliché. Retenez bien, c'est tout. Attendez, comment on allume ça? Parce que les briquets, j'ai pas l'habitude. Ça marche pas bien ce briquet. Comment ça marche? Comment ça marche un briquet? Il va pas s'allumer celui-là. Ah! J'ai toujours peur de me brûler le doigt. Ah, voilà. Non. Mais regardez, le fil de la boule, il s'est cassé. Bon, en même temps, pas de sapin, pas de boule. Hein. J'ai quand même beaucoup de décorations de Noël. Mais sans sapin, où est-ce que je vais les mettre? Bon, on va déjà installer ce que je peux installer. Écoutez, si j'ai pas de sapin de Noël, c'est pas grave, j'en ai rien l'année prochaine. Hein? Vous êtes pas d'accord? Et si vous avez un sapin, dites-moi quelle couleur vous avez fait cette année. Mais moi, du coup, j'ai tout prévu, regardez. J'avais acheté ce truc qu'on va quand même mettre. Parce qu'en fait, j'ai acheté des piles. C'est une guirlande avec des LED. Pas mal, hein. J'avais acheté cette guirlande de sapin. J'avais acheté... Ah et de la guirlande, là, il y en a, hein. Encore de la guirlande ici. Ça, on peut y mettre en vrai, hein. En vrai, je peux y mettre de partout, hein. Sauf que ce sera pas sur le sapin, quoi, c'est tout. Regardez, j'avais ça que j'avais ramené de chez mes parents. Alors, attendez, j'enlève ça. On va y mettre ailleurs, non? En attendant. Ouh là là, il tient pas lui. Oh, calendrier. On n'a pas ouvert le calendrier de l'Avent. Faut que je le fasse. Et le bénéfice, j'ouvre celui-là tout comme d'habitude en story sur Instagram ou en Reels ou en TikTok. Je fais toujours ça avec vous tous les jours. Donc celui-là, c'est un personnalisé unique. C'est ça qui est cool. Mais avec vous, j'ouvre le bénéfice du coup. J'espère que ça vous dérange pas. Que si je déchire maintenant, ça va tout gâcher après. Mais du coup, on va ouvrir celui-là. The snow is falling down. Alors, du coup, on est combien aujourd'hui? Mais j'ai le 6 et le 7 que j'ai pas ouvert. Ok, bon. Là, on est très dans le mood de Noël, hein, je veux pas dire. Alors, du coup, le 6. Il est presque fini celui-là, dis donc. Il se finit le 12. Qu'est-ce que c'est? Wow, j'adore ce produit, le Gimibo. C'est pour fixer les sourcils. Et après, le 7. Ah, à mon avis, c'est un petit blush, non? Ou un petit highlighter? Ah non, c'est le Oula. Mais je mets pas de bronzer, moi. Bon, j'y donnerai à une copine ou à ma mère. Oh, faut vraiment que je les descende les poubelles. Ça va pas du tout. Allez, hop. Il y en a qui vont être contents. Maintenant qu'on a ouvert les calendriers de l'Avent,
il est temps de décorer l'appartement. Alors ça, à votre avis, où est-ce que je peux le mettre? Je pourrais peut-être essayer de le mettre sur mon canapé. Alors, vous pensez que ça va rendre bien? Regardez, comme ça. Eh, c'est pas mal. Bah écoutez, je trouve que c'est pas mal, hein. Je vous ai demandé aussi sur Insta de me poser des petites questions. Déjà, le petit ballon de mes 20 ans. J'ai fait une vidéo où je vloguais le premier jour de mes 20 ans et j'avais reçu ce ballon. Deux amis qui me l'avaient offert en surprise. Mais je pense qu'il était temps de... Ah non, c'est bon. Il y avait l'hélium dedans, j'aurais dû... Attendez, j'aspire l'hélium. Salut, ça va? Non, je rigole, c'est un effet audio. Merci, montage. En vrai, Dijon en soi, non, pas du tout. Parce que, voilà, ça fait 20 ans que je vivais là-bas. Bon, voilà, j'ai fait le tour. Mais ce qui me manque parfois, on va dire, ça peut être mes parents, évidemment. Mais après, je rentre quand même souvent, souvent, toutes les deux semaines. Bon, là, ça va faire 3 semaines que je suis pas rentrée. Mais ouais, souvent, 1 à 2 fois par mois, je rentre le week-end. Mais c'est vrai que quand on vit ça pour la première fois... Ça peut être un faire les parents des fois. Parce que t'es habitué, t'es avec eux et tout et tout. Même si j'aime bien être toute seule des fois, bah voilà, ça reste les parents. Oh, elle est trop belle. Alors, j'ai acheté des piles. Ah non, j'ai oublié, il faut encore que j'en rachète des piles. Je suis allée chez Ikea et j'ai acheté des piles rechargeables, archi bien. Sauf que j'en ai pas acheté assez. Mais on va essayer d'y mettre là-dedans pour voir comment ça fait. Là, tac. Attention. Vous êtes prêts? C'est trop beau. Waouh! Oh là là, c'est trop beau! Bon, maintenant, il faut trouver où est-ce que je vais mettre ça. Ça, c'est une bonne question. Vers mon calendrier de l'avant, ça pourrait le faire, non? Peut-être. On va se balader dans mon appart et on va regarder. Oula! Oh punaise, ça fout des paillettes partout, le truc. Oh, il y a des paillettes partout sur mon sol. Dans quoi je m'embarque? Bon, dans ma chambre, ah oui! Oh là, il y a mon pyjama qui sort, mais j'ai mis une housse de couette de Noël. Lola m'a bien aidée à la mettre. Voilà, parce que sans Lola, j'aurais pas réussi, je vous avoue. Mais du coup, là, il n'y a pas de place pour mettre ça, on est d'accord. Je pense pas que ça soit une bonne idée, hein. Pas convaincue là. Attendez, je vais l'allumer pour voir. Je pense pas que ça soit une bonne idée. Hein. Pas ici. Bon, sincèrement, je pense que là c'est la meilleure. Là c'est la meilleure solution. J'aime trop le soir, ça va faire grave un mood. Regardez ce joli cœur. Où est-ce qu'on va le mettre celui-là? Par là, non? Sur le meuble? Ouais. Oh, je suis pas devant déco, moi je vous le dis. Sur la porte. Venez, on laisse ça là. C'est pas mal du tout. Bon, du coup, cette petite guirlande. Je pense pas qu'on la met quand même. Pour le moment, on va attendre si jamais j'ai un sapin d'ici dimanche. Des bouboules. Bon, en même temps, pas de sapin, pas de boule, hein. Oh, j'avais acheté la totale. Mais regardez ce que j'avais acheté. Des boules. Ah ouais, bah non. Bon bah ça du coup on peut l'arranger. Par contre celle-là, ah bah celle-là faudrait que je la mette. Mais alors où? Bonne question. Faut la mettre dans mon sapin. Enfin mon sapin. Dans mon arbre. Donc j'irai acheter des piles je pense. Vous savez c'est les guirlandes lumineuses qui sont en dur. En gros tu peux tordre le fil et c'est hyper... Le calendrier de l'avant fait maison de ta maman a toujours été une tradition ou c'est une nouveauté. Quand j'étais petite elle m'en faisait un aussi. Enfin, quand j'étais petite c'était un Playmobil que j'avais. Et là elle m'en faisait après au bout d'un moment. C'était des petites cases rouges, elle mettait des papiers, elle écrivait le cadeau qu'il y avait dedans. C'est pas une tradition parce que j'ai pas eu ça tous les ans mais c'est pas une nouveauté non plus. Tous les jours je me dis ah qu'est-ce que je vais avoir. Par exemple hier j'ai eu ce petit parfum. Ils sont tellement bons à la vanille. Attends, je vais en mettre un petit peu. Aujourd'hui du coup ce que j'ai eu c'est un chocolat de Noël, bah je peux vous le dire parce que de toute façon même si vous voulez aller voir sur la story elle sera partie parce que la vidéo elle sort un peu plus tard que la story, voilà. Cool, j'aime trop, c'est personnalisé, c'est unique. Qu'est-ce que ça te fait de décorer ton propre appartement et non pas le cocon familial avec tes proches? Très bonne question et c'est marrant que tu me la poses parce que c'est un truc que je me suis posé moi-même à l'intérieur de moi, tu vois. Je me dis oh là là cette année ça va faire drôle, je vais décorer mon appartement parisien à moi. Mais en vrai ça m'a fait un petit truc, mais je me suis dit Marie,
C'est une nouvelle vie, il faut que tu apprennes à aimer, à apprécier ces bons moments que tu faisais avec tes proches avant. Là, tu les fais toute seule. Bon, à la base, j'aurais dû le faire avec des copines, mais du coup, mon sapin que j'ai parti, on l'a tout décalé, bref, le bordel. Mais non, écoute, oui, ça fait bizarre, mais je me dis, il faut que j'apprenne à aimer, à apprécier ces moments avec moi-même, des moments cool. En plus, du coup, bah, je le fais pas toute seule en soi, je le fais avec vous. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il reste là-dedans? Oh, regardez. J'avais acheté ça. C'est une petite guirlande en perles. On va mettre avec les boules. Hein. Et là, j'avais acheté les super boules. Regardez celle-là. Elle est trop belle, non? Regardez ce que je peux mettre. Je peux mettre mes petits sapins. Heureusement que j'ai acheté ça. Hein. Oh, j'avais acheté des petites boules encore. J'avais même pensé aux attaches pour les boules, quand il n'y a pas de fil. Vous allez rigoler, mais il ne reste plus que ça. On dirait que j'avais prédit le fait que je n'allais pas avoir de sapin, tu sais. Franchement, c'est plutôt pas mal, non, comme décoration de Noël. Bon, c'est assez minimaliste. Y a pas grand chose, j'avoue, mais on se met un peu dans le mood quand même. Vous savez, moi, je fais pas les décos comme on voit dans les vidéos des Américaines. Ils ont des maisons de ouf, avec des décos de ouf. J'aime trop, c'est trop beau, mais bon, visiblement, c'est pas pour moi. Écoutez, moi, je me contente de ma petite guirlande, mes mini sapins. Alors là, quand on dit mini, mon petit cœur, là. Un sapin un peu plus gros, des petites bougies. Jingle them bells and frolic. Oh, by gosh, some stalling. Eggnog, gin and tonic make Yuletide gay and jolly. J'avais une question aussi, ceux qui ont suivi la vidéo où je parlais un peu de la vie seule justement, comment je le vivais, qu'est-ce que j'aurais aimé savoir avant de vivre seule, d'ailleurs si t'as pas vu, tu peux aller la voir. Et ben on me demandait du coup si le fait d'adopter un animal de compagnie était toujours d'actualité, et ben visiblement non, pas du tout, parce que j'ai bien réfléchi, je l'avais dit, je voulais pas le faire comme ça, bim bam boum, c'est bon j'adopte un chien, c'est pas du tout ça. J'ai bien réfléchi, je me suis rendu compte qu'au final, pour aujourd'hui c'était assez contraignant, parce que bah voilà, je suis pas tout le temps chez moi, je suis souvent même en dehors de chez moi, donc c'est vrai que dans plein de situations je me suis dit, alors là t'aurais un chien, comment tu aurais fait Marie? Et là... Bah là, c'est là que je me suis dit, bah écoute, t'auras pas de chien maintenant. J'annule pas le projet, on va dire, juste je le repousse au moment où je pourrais m'en occuper vraiment parfaitement, parce que c'est vrai que là, bah vu que je bouge souvent, c'est un peu compliqué. Il y avait une question qui me demandait, quelle couleur tu vas faire ton sapin? Bah écoutez, j'avais prévu rouge, non, doré, noir, blanc argenté, enfin je sais pas trop en fait, j'avais acheté plein de boules. Ouais, moi je vais vous laisser ici. Alors si vous me revoyez pas dimanche, ça veut dire que j'ai pas eu de sapin. Donc on va rester comme ça, genre l'appartement il sera décoré comme ça. Écoutez, c'est quand même mieux que rien, non, vous trouvez pas? Je me suis pas ruinée au moins, ça c'est sûr. Et ça se trouve on se retrouvera dimanche parce que j'aurai mon sapin, je sais pas. En tout cas j'espère que vous avez kiffé cette petite vidéo, qui à la base c'était pas du tout prévu d'être comme ça. Mais voilà, écoutez, j'espère que la vidéo vous a plu, que vous avez passé un bon moment avec moi. C'est assez simple comme vidéo, mais dites-moi quand même si vous aimez ce genre de vidéo. Je suis vraiment genre, je suis toujours nature peinture avec vous, toujours, mais là je crois encore plus. Vraiment là vous êtes vraiment comme si je découvrais mon appartement avec des amis, c'est vraiment très ça. Dites-moi si vous aimez ce genre de vidéo, il y a un peu moins de montage, j'avoue j'aime un peu moins de montage, mais j'aime trop aussi filmer ça, vous voyez, moi ça me fait trop plaisir de vous parler comme ça. Je vous attends en commentaire, hein. N'oubliez pas de me dire. Ok, bon écoutez, gros bisous, venez me rejoindre sur Insta parce qu'on est presque, oh, mais on est presque 100. Il est presque 100 000. C'est incroyable. Venez m'aider à atteindre les 100 000. C'est qu'un chiffre. Mais bon, c'est quand même une fierté. Tu vois, t'atteins les 100 000 abonnés sur Instagram. Voilà. En plus, j'ouvre mon calendrier de l'avant tous les jours. Le personnalisé. Donc, ça pourra peut-être t'intéresser. Bon, allez, gros bisous. Allez, viens là, toi. Ouh, 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 ouh. Tac. Oula. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, un masque. Oula. Oh là 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 là. Ouh là 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 là. Ouh. Oh là 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 là. Hold up, I am on my way. I'm in motion. Let's go to the ocean. Yeah, let's go outside.